Il s'appelait Ravachol, c'était un anarchiste qui avait les idées folles, les idées terroristes. Il fabriquait des bombes et les faisait sauter pour emmerder le monde. Les bourgeois, les curés, à la porte des banques, dans les commissariats, ça faisait un double bang. J'aurais aimé voir ça, mais un jour il fut trahi par sa meilleure amie, livré à la police, la prétendue justice. Au cours de son procès, il déclara notamment n'avoir tué aucun innocent, vu qu'il n'avait frappé que la bourgeoisie, que les flics, que les curés et les fonctionnaires pourris. Mais le juge dit Ravachol, on a trop discuté, tu n'as plus la parole, maintenant on va trancher. Devant la guillotine, il cita ben voyons le camarade Bakounine, le camarade Proudhon. Si tu veux être heureux, pends ton propriétaire, coupe les curés en deux, tue les petits fonctionnaires. Son exemple fut suivi quelques années plus tard par Émile Henry, haut ennemi du pouvoir, camarade qui veut lutter noir, drapeau de la liberté et drapeau de l'espoir. Rejoins le combat du groupe Ravachol et n'oublie surtout pas que la propriété c'est le vol. Il s'appelait Ravachol, c'était un anarchiste qui avait des idées pas si folles, des idées terroristes.